Connaissez-vous l'arrondissement d'Anjou? Moi, oui. J'y vis. J'aime les espaces verts que je retrouve près de chez moi. Anjou, ça respire. C'est tranquille. Même si on est en ville. J'ai appris qu'Anjou avait vu le jour en 1956, que le paysage agricole s'était tranquillement transformé en banlieue où plusieurs jeunes familles se sont installées. C'est en janvier 2002 qu'on est devenu un arrondissement de la ville de Montréal, mais nos valeurs sont bien restées les mêmes. On sent que l'équipe de l'arrondissement place toujours le citoyen au cœur de ses priorités. Les élus et les employés municipaux offrent un service hors pair. Je suis impressionnée par les efforts de l'équipe des loisirs et de la culture qui innove chaque année pour nous offrir une belle variété d'activités. Ça me donne d'innombrables occasions de tisser des liens serrés avec ma communauté. Oui, parce qu'à Anjou, on s'entraide. Il y a plus de 60 organismes et associations sportives. Toute la petite famille y trouve son compte. On adore passer du temps dans l'une ou l'autre des bibliothèques ou dans les installations sportives. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Le camp de jour, les ateliers soleil, c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est abordable. On est gâtés. Les parcs sont non seulement beaux, mais ils sont pensés pour répondre à la réalité autant des familles que des aînés. Anjou, c'est la banlieue en ville. La nature est omniprésente. Ça respire. Ça grouille de vie. Comme dans le parc d'affaires, j'ai appris qu'Anjou a l'un des plus importants parcs d'affaires du Grand Montréal. C'est pas rien! Probablement que notre connexion directe aux grands axes routiers y est pour quelque chose. On ne manque de rien à Anjou. L'offre de services et de commerce y est florissante et diversifiée. Je me sens bien à Anjou. Et je m'y sens en sécurité aussi. Je me suis fait des amis à Anjou. J'y ai trouvé un travail que j'adore. Je vis à Anjou. Anjou, c'est chez moi. C'est chez nous.